L'étau se resserre autour de Sirte, en Libye. Bombardée pendant 3 jours par l'OTAN, la ville dont est originaire Muammar Kadhafi était ce lundi la cible des forces du Conseil national de transition du CNT. Selon les commandants pro-CNT, un convoi de 150 combattants est entré dans la cité ce matin. Sur le front de Bani Walid, les combattants s'impatientent et souhaitent rapidement lancer l'assaut sur le bastion pro-Kadhafi. Ils estiment que la victoire est à leur portée, même si les hommes fidèles au régime déchu montrent toujours de la combativité. Un commandant des combattants du CNT a expliqué qu'ils n'attaqueront Bani Walid que lorsque les opérations à Sirte seront terminées. Selon lui, Saïf al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi, se trouverait à Bani Walid. Par ailleurs, loin de ces combats, le géant pétrolier italien Eni a annoncé ce lundi avoir redémarré sa production de pétrole en Libye.